dans les cas de déni de grossesse, cela ne se voit pas. C'est comme si le bébé poussait à l'intérieur du ventre. Et ensuite, elle n'a pas dû se sentir capable de l'assumer ni d'en parler à ses parents pour ne pas briser l'honneur de la famille ni déranger sa sœur dans sa carrière. Et alors elle ne tournait pas rond. Elle aimait à sa façon, dit Marjorie, en reprenant aussitôt la lecture des messages. De Ange à Marie. Jeudi 8 août 1985, 16h. Objet, ta venue. J'ai arpenté les rues de mon quartier ce matin, toujours le même trajet. Le disque de mon avenir est rayé. Mon diamant ne sort plus du sillon. Le grand DJ qui mixe ma vie est-il devenu fou? La petite est encore seule. Tu te rends compte? Elle va avoir 2 ans. Elle n'est jamais sortie de l'appartement. Elle ne connaît que moi. Cela ne peut plus durer. Toi, grande sœur, tu sauras. Tu as toujours su ce qu'il fallait faire. Tu nous aideras à tourner rond jusqu'au bout de notre galette de vie. On t'attend, Ange. Dimanche 18 août 1985, 23h30. Objet, ta non-venue. Je m'étais trompée. Tu as mieux à faire que de venir nous aider. Dimanche 25 août 1985, 18h. Objet, re, ta non-venue. Je vais l'offrir à qui voudra bien l'aimer. Je l'ai paré de sa plus belle robe, de mon béret et de ses soquettes roses à pompons. J'ai rangé ses affaires dans une valise. J'ai écrit ce mot. Emila, elle le mérite, sa maman. Nous partons pour la gare. Là-bas, je lui dirai de s'asseoir sur sa valise et de m'attendre bien sagement. Puis, je ferai une photo d'elle, exprès pour toi, et je me sauverai. Samedi 31 août 1985, 23h. Objet, plus la peine de venir. J'aurais tellement aimé te l'offrir, que ce soit toi, sa maman. Enfin, je pense qu'elle est entre de bonnes mains maintenant et qu'elle va être aimée. J'ai supprimé toute trace d'elle dans mon appartement, découpé les articles de presse la concernant. Je te les mets dans la mallette avec le Polaroid et mon cahier. Les cachets commencent leurs effets. Je te quitte. Garde le secret. Soyez heureuses. Toutes les deux. Ange.